Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. On continue cette série de capsules avec nos amis les béliers. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant bélier, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas forcément à tous les béliers et c'est normal. Donc prenez s'il vous plaît ce qui est en résonance et ce qui fait sens avec votre vie. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. En barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez une guidance privée personnalisée. Voilà les amis, vous savez tout, nous sommes partis. Ça reste bien sûr une guidance, une lecture générale pour nos amis béliers. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Et nous sommes partis. Donc, je vais déjà prendre une carte, là où vous en êtes, ami bélier. Là où vous en êtes, ami bélier. Décidément, une carte qui ne se retourne pas, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre celle-ci. Là où vous en êtes, une carte, ce que vous laissez derrière vous, vous en aurez deux. Une autre carte, là où vous allez. Je vais prendre maintenant deux cartes qui vont être le soutien de ce que vous laissez et de là où vous allez, ce qui va vous soutenir entre l'ancien. Je vais prendre les deux ici. Donc, ce qui vous soutient entre l'ancien et cette nouvelle voie que vous prenez. Et en deux cartes, je vais prendre aussi la finalité, donc qui sont ici. Voilà. Nous sommes partis, amis béliers, donc pour votre lecture du mois de décembre, lecture générale. Donc, là où vous en êtes, on a le page d'épée. Le page d'épée vient nous parler que vous avancez à votre rythme. Mais je pense que c'est un rythme que vous avez trouvé, qui vous convient. Vous vous enrichissez aussi peut-être de connaissances ou vous avez peut-être de nouvelles idées qui émanent, qui émergent et qui vous font avancer avec plus de clarté, plus de prise de conscience. Il y a une forme, je ressens comme de détachement qui est là, dans le sens où vous avez vraiment envie de croire en vos potentiels, en vos capacités. Je ressens vraiment qu'il y en a qui ont envie vraiment de soit d'entamer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle passion ou une nouvelle motivation, ou tout simplement de continuer à s'enrichir par rapport peut-être à un domaine où vous excellez et qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui viennent. Vous prenez pas garde, je vais plutôt dire vous faites attention quand même comment vous avancez. Vous avancez, comme je vous le disais, un pas après l'autre, mais c'est comme si vous étiez, par rapport à l'image que l'on voit ici, comme si vous étiez sur un fil tendu, dans le sens où chaque pas que vous faites, vous l'appréciez. Chaque pas que vous faites, vous y prêtez attention. C'est comme si vous apportiez des ingrédients dans votre vie avec précision, avec précaution, avec sagesse, avec bienveillance et avec envie. Ce que vous laissez derrière vous, vous laissez avec le 4 d'épée, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez été dans une phase où vous avez senti ce besoin de ralentir, de vous écouter, de prendre soin de vous coucouner, de vous chérir, parce que peut-être que vous aviez l'impression d'avancer, peut-être trop rapidement, ou alors que vous n'apportiez pas assez d'ingrédients, de richesse intérieure, de potentiel, de capacité comme vous le désiriez. Ce qui vous a peut-être mis dans une période de pause pour savoir comment vous pouviez réharmoniser tout ça, comment vous pouviez justement avancer vraiment en profitant de chaque pas que vous posez chaque jour au quotidien. Donc je pense que là, ce que vous laissez derrière vous, ça va être justement peut-être trop de précipitation, peut-être de ne pas aller assez exploiter ce que vous avez au fond de vous, et que vous prenez pour moi de plus en plus soin de vous,
Je pense pas que vous êtes dans l'exigence, je pense que justement vous êtes plus conscient et dans la réalité de comment vous pouvez mettre en place certaines choses tout en prenant soin de vous, en ne précipitant rien et en partant pas dans tous les sens. Moi je ressens vraiment, on voit bien ici deux personnages qui avancent un pas après l'autre sans rien précipiter. Et c'est ce que je ressens pour vous. Je pense que vous faites les choses avec plus de conscience, plus de sagesse, plus d'envie, plus de liberté. Mais vraiment, c'est quelque chose qui vous met même dans un état d'esprit qui devient de plus en plus le vôtre actuellement. Là où vous allez, eh ben, tout simplement, pour moi, vous n'allez plus dans un ancien fonctionnement, mais plutôt dans un renouveau. Avec le 6 de coupe, pour moi, c'est comme si il y avait des émotions qui sont de l'ordre. J'avance avec plus de fraîcheur, avec plus d'insouciance, avec plus de conscience, avec plus de présence, de liberté, mais avec bienveillance, avec douceur. Je vous disais, vous avez envie vraiment de prendre de plus en plus soin de vous, d'acter des choses en conscience, en présence, un pas après l'autre, mais vraiment... Sans de nostalgie ou sans vous poser trop de questions, de jugements, de vous dire « Ah ben non, ça je peux pas faire parce qu'il y a ça », vous en êtes plus là. Vous acceptez ce qui se présente à vous, vous voyez si ça vous anime, vous cherchez les choses qui vous animent, qui vous portent. Et pour moi, c'est ce qui vous met dans une dynamique de fraîcheur, de renouveau, d'envie et d'enthousiasme. Le soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez, eh bien nous avons... Le 4 de coupe, voyez, je vous parlais, le 4 de coupe, ça nous parle de réflexion, ça nous parle de stabilité. Vous cherchez quelque part à trouver un équilibre, je vous le disais, hein, que vous posiez un pas après l'autre, comme si vous étiez sur un fil tendu, mais ce fil tendu, vous l'appréciez. Vous ne cherchez pas à vous dire « Ouh là là, je vais chuter ». Pas du tout. À chaque fois, vous revenez en vous, en votre centre, en pleine réflexion, pour vous dire « Ok, comment je peux revenir en présence, voir comment les choses se manifestent, comment les accueillir, pour pouvoir être juste dans mes émotions, avec ce qui m'anime, avec ma vie, et pouvoir continuer à monter ces marches ». Et à apporter de la joie, de la lumière, de l'enthousiasme, de l'amour, du bien-être dans ma vie à chaque instant pour moi et les autres. C'est ce que vous recherchez sur ce mois de décembre, amis Bélier. Vous avez envie de sérénité, de douceur, de bienveillance, de joie, de partage, tout en sachant qu'à chaque instant, vous pouvez réajuster des émotions, qu'il y a des choses qui vous animent, que vous les vivez pleinement, vous les partagez et vous prenez soin de vous, vous êtes attentif à vous, aux autres, mais vous, vous êtes aussi votre priorité parce que vous savez que tout part de vous et que cette liberté, elle est déjà puisée en vous pour pouvoir la vivre pleinement avec les autres. Et c'est vraiment ce que je ressens là, ami Bélier, pour vous. La finalité. La finalité, la compréhension par rapport à tout ça. Si vous êtes dans cette dynamique, dans cette énergie sur ce mois de décembre, ami Bélier, vous allez vraiment terminer un cycle par rapport au 9 de baguette où vous avez eu l'impression d'avoir peut-être été ralenti ces derniers temps, de peut-être ne pas avoir eu l'impression d'avancer comme vous vouliez, ou peut-être de ressentir qu'il fallait vous freiner pour ne pas rejouer certaines choses où vous partiez dans tous les sens. Et je pense que tout ça, d'en prendre conscience et que ce cycle se termine pour pouvoir poser plus des actions justes qui vous animent dans l'instant présent, à votre rythme, en prenant soin de vous, vous allez vous défaire de liens pour vous, mais aussi des autres, de liens qui vous mettaient dans une retenue. Je vous parlais tout à l'heure de liberté. On sent que là, vous avez soif de liberté en vous choyant, en prenant soin de vous et... Vous terminez un cycle, c'est ça la finalité, la compréhension, c'est que là vous êtes en train de finir un cycle, que vous êtes en train de lâcher du lest, des liens, des comportements, peut-être des attitudes vis-à-vis de vous déjà, et de vraiment poser des actions à votre rythme, avec votre envie, et surtout avec bienveillance j'entends. C'est comme si vous preniez davantage conscience de prendre soin de vous, et que c'était important. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, vous ne preniez pas soin de vous, c'est simplement que je pense que vous avez une autre perception, une autre vision
de prendre soin de vous autoriser des moments ou de si vous aviez un planning par exemple trop chargé, de vous dire ok, ça aujourd'hui je le fais pas tout compte fait, je vais voir si je peux le décaler, de ne plus être trop dans l'exigence. Allez, on va recouvrir donc ce que vous laissez, là où vous en êtes, là où vous allez. Là, j'en prendrai qu'une pour le soutien et une pour la finalité. Allez, on continue. Je vais prendre celle-ci. Là où vous en êtes, là, on a tentation. Vous voyez, regardez, quand je vous parlais tout à l'heure avec ce page d'épée, je vous ai dit que c'est comme si vous marchiez sur un fil tendu. Parce que vous prêtiez davantage attention à l'instant présent, que vous n'allez pas vous laisser disperser par des tentations, que ce soit des tentations de nourriture, que ce soit des tentations mentales, que ce soit des tentations par rapport à trop de brouhaha extérieur, des médias, que ce soit des achats, des choses qui sont un peu compulsives. Là, vous n'allez pas vous laisser manipuler par ça. Même peut-être par certaines peurs, parce que vous allez savoir revenir à l'instant présent, vous allez savoir vous écouter, prendre du recul et vraiment vous faire confiance dans le sens où maintenant vous avez envie d'écouter aussi votre intuition et ne plus laisser peut-être trop le mental vous amener dans des choses qui pouvaient vous épuiser. Ce que vous laissez derrière vous, on a protection. Moi, ce que j'entends là, ce que vous laissez derrière vous, c'est justement de ne pas vous sentir par moment à votre juste place, comme si vous vous sentiez pas peut-être, je dirais, c'est pas le mot protégé quand vous preniez des décisions ou quand vous faisiez des choses, c'est plutôt d'avoir cette impression de ne pas être sûr, de ne pas être en conscience, en confiance. Et ce que vous allez vraiment laisser, c'est quelque chose qui n'est plus en désaccord avec vous. C'est-à-dire, vous allez vous sentir plus intuitif, vous allez vous sentir plus en accord, en lien avec vous, ce qui va vous mettre dans une forme, je dirais, de protection, comme si vous étiez dans une forme de bulle avec vous-même pour pouvoir analyser ce qui est bon ou pas. Là, ce que vous laissez, c'est peut-être justement le fait que vous vous étiez pas assez justement dans cette bulle, vous vous laissiez peut-être trop happer par des tentations. Et là, vous allez vraiment laisser ça aussi et vous allez vous sentir plus en accord avec vous-même. La protection, c'est comme ça que je la vois. Vous vous sentez plus en accord avec vous-même, en lien avec votre âme, votre conscience, votre feu intérieur. Posez le mot qui vous convient. Mais pour moi, ça va vous animer, ça va vous lancez comme dans un nouveau départ. On ressent vraiment, de toute façon, elle est liée avec cette carte où là, vous avez vraiment eu besoin de renouer, de vous remettre dans une bulle pour prendre soin de vous. Et c'est ça que vous allez peut-être laisser, le fait de pas vous sentir protégé, c'est-à-dire dans votre bulle, dans le sens où, vous n'allez pas vous laisser happer par les autres. Vous allez vous sentir bien avec vous-même, en accord. Donc, certains peuvent visualiser une forme de bulle où vous vous sentez protégé. Mais en même temps, ça va être nourri et cultivé à l'intérieur de vous. Là où vous allez, alors là, on a mensonge. Pour moi, là, vous allez justement, vous allez plus vous mentir. Vous allez sortir peut-être des mensonges de vous dire « oui, je suis trop comme si, oui, je ne peux pas à cause de ça, oui, c'est impossible, non, j'y crois pas ». Là, on sort de ça, on sort des mensonges, on sort des apitoiements, on sort peut-être même d'une forme de victimisation par moment et on trouve de la stabilité, de la cohérence pour aller de l'avant dans cet enthousiasme qui vous anime. Le soutien entre les deux, ça va vraiment être l'initiation. Voilà, c'est comme si c'était un nouveau départ. C'est comme si vous étiez initié, avancé un pas après l'autre, en présence avec vous-même, vraiment vous sentir protégé dans le sens où vous allez vous sentir en lien vraiment profond avec vous et ne plus vous laisser happer par l'extérieur. Et vous allez ne plus vous raconter non plus d'histoire. Vous allez vraiment vivre l'instant présent, évoluer. J'entends vraiment le mot évolution où vous allez vraiment avoir pour moi aussi peut-être des compréhensions, des clartés. Et ça va être un soutien quelque part.
il y a une dynamique qui est là, qui pour moi, c'est la conscience, c'est l'âme qui vous pousse, qui vous permet aussi vraiment d'entrer dans ce mois de décembre avec un nouvel enthousiasme. Et là, la finalité, la compréhension, tout simplement que vous sortez des doutes, vous sortez des interrogations, vous sortez de peur, vous sortiez peut-être de trop de complexité dans votre vie. J'entends surtout par rapport à, peut-être à des agendas trop chargés, à des journées trop compliquées. Et pour moi, vous vous délestez, vous arrêtez de vous freiner. Pour moi, vous terminez quelque chose. On ressent vraiment qu'il y a une fin de cycle quand même pour vous, où vous allez plus renouer avec vous-même. Vous allez être plus en lien à retrouver un souffle nouveau, une fraîcheur plus dynamique. Et surtout, j'entends, je dirais pas de croire en vous, parce que ça, je pense que vous l'avez, de croire en vous. Je dirais plus de faire confiance. Confiance peut-être à ce nouveau départ, cette nouvelle initiation dans votre vie. Peut-être, voyez dans quel domaine ça vous parle. Il y en a qui peuvent être initiés dans peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être un démarrage de quelque chose. Mais pour moi, vous allez le vivre vraiment différemment. On a le mât. Hein. Le mât, c'est comme s'il y avait un nouveau départ. Je vous le disais, il y a une remise à zéro, je pense, qui a été faite pour vous. Et c'est comme s'il y avait un nouveau départ. Alors, une petite carte. Eh bien, regardez, la renaissance. On avait le fou tout à l'heure, je vous parle de nouveau départ et on a là la renaissance. Pour ce mois de décembre, amis Bélier, vous êtes dans une renaissance. Une renaissance surtout avec vous-même, avec vos émotions, mais surtout de vivre l'instant présent, d'être dans un nouveau souffle, d'être vraiment à voir que vous êtes maître à bord, que rien ne peut basculer, sauf par rapport peut-être à des mensonges ou des tentations ou des doutes et des peurs. Et là, pour moi, vous allez renouer avec vous-même, avec cette douceur, cette dynamique, cette éclosion en vous. Il y a quelque chose qui vous amène dans un nouveau départ. Allez les amis, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous avec l'oracle du chemin de l'éveil. Et nous avons le bonheur. Je pense que c'est ça, vous avez envie de renouer avec le bonheur, mais pas le bonheur de l'extérieur, c'est-à-dire je vais trouver mon bonheur à l'extérieur. Ça va être un bonheur qui va déjà partir de vous, qui va déjà s'offrir à vous pour pouvoir vraiment le partager avec les autres. J'ai envie de voir ce que je peux vous dire comme petit message par rapport au bonheur. Le bonheur n'est pas loin quelque part entre nos mains, déjà. Ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à nos services. Vous voyez, je vous disais, vous aviez de nouvelles idées. Vous allez avoir quelque chose qui s'éclaircit, des pensées plus claires. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste. Vous voyez, j'avance un pas après l'autre sur un fil tendu, mais c'est juste pour moi et je sais rétablir les choses. Tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit accueillir le bonheur dans sa vie. C'est comme si vous étiez prêt à avoir une vision du bonheur, non plus une vision de l'ancien, une vision peut-être du mensonge, une vision de tentation et vraiment d'éclaircir tout ça. Et là, on dit vous étiez fermé jusqu'à l'idée de connaître le bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, vous voyez, égoïste, hein, ça parle aussi peut-être de cette vision de soi ici et des mensonges. Pour soi et pour les autres peut-être, hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et vous avez envie de le diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et ouverte sur aujourd'hui. Voyez, on revient à l'instant présent. C'est ça que vous allez vivre, vraiment vous retrouver dans cet instant présent, le vivre pleinement. Alors, ouvrez-lui les bras à cet instant présent, là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus la même personne. Voyez, il y a une évolution qui est là.
C'est une initiation quelque part parce que vous allez vous voir peut-être différent avec cette image que vous aviez de vous, peut-être sur le passé. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, qui va vraiment vous permettre de renouer à l'instant présent et peut-être à une nouvelle façon d'être tout simplement. Voilà les amis béliers, ce que je pouvais dire pour votre lecture du mois de décembre. Je vous le souhaite excellent. Je pense qu'on se reverra sur le mois de janvier pour d'autres guidances. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.